Merci. Vous venez de constater la lecture de la note de service relative à la création désormais au niveau de la cour d'appel de Conakry et de cellule que nous avons appelée la cellule de communication du parquet général. Vous savez, quand vous regardez les dispositions du code de procédure pénale, chaque procureur général dans son ressort a un rôle bien précis. Le premier rôle du procureur général, c'est un rôle de coordination et d'animation des parquets. C'est extrêmement important. Vous ne pouvez pas animer et coordonner les activités du parquet d'instance qui travaille en corrélation avec les autres acteurs de la chaîne pénale, à savoir les officiers de police judiciaire, sans avoir ce qu'on appelle une cellule de communication. Pourquoi? Vous savez, notre pays est devenu aujourd'hui par excellence un état colporteur de rumeurs, de désinformation, de fausses informations. À partir du moment que nous sommes dans une période d'exception, une période très sensible, si le procureur général ou les procureurs généraux ne prennent pas la responsabilité de coordonner la communication, je crois que nous tendrons vers une situation qui ne va pas arranger l'ordre public. Mais vous savez, il y a des gens qui font l'amalgame entre la communication du parquet, qui est une communication d'obligation. Ça, il faut le préciser. Quand vous prenez l'article préliminaire de notre code de procédure pénale, il est clairement indiqué que les autorités en charge du ministère public, d'ailleurs on n'a pas de procureur là, les autorités en charge du ministère public sont désormais tenues à l'obligation d'information. Ce n'est pas une réglementation. Donc, désormais, cette cellule de communication va se réunir à chaque fois que le besoin sera exprimé. Comme nous l'avons dit, cela ne fait pas obstacle à l'application de l'article 8 du Code de procédure pénale, qui dès que l'information judiciaire est ouverte, le procureur peut, d'office, ou à la demande même d'une instruction, communiquer sur un dossier particulier. Ah oui, ça tout procureur peut le faire. Mais lorsqu'il s'agit des questions qui dépassent, qui ne sont pas dans ce cadre, la cellule de communication se réserve le droit d'apporter des éléments qui n'ont rien à voir avec la présomption d'innocence, parce qu'à ce niveau, il y a une conclusion de notre droit. Donc, c'était le premier point, que vous soyez informés que désormais, référez-vous au parquet, au niveau de sa cellule, pour toute information relative au dossier ou aux affaires pendantes par devant les officiers de police judiciaire et par devant les juridictions du premier degré. Ne vous prêtez plus maintenant aux humains. Un bon journaliste, c'est celui qui part à la recherche d'informations. Celui qui traite l'information avant de publier. Peut-être que nous aurons l'occasion de le dire. C'est celui de communication composé à la fois des magistrats, mais aussi des officiers. C'était quelques éléments de mise au point avant de continuer le déroulé de votre agenda. Merci, monsieur le procureur général, pour ces précisions. Vous avez rappelé l'apport des différents paquets est grandement ouvert pour vous, pour que vous n'apprenez pas au secret de l'information constitutionnelle. Donc, il n'y a pas d'avis. On est à votre disposition.
Mais monsieur le procureur général va venir au deuxième point. Et c'est relatif aux problématiques de l'exécution des décisions de justice. Vous m'avez dit de présenter l'activité, parce que depuis que vous avez pris service ici, on a tenu des réunions avec la Chambre nationale de justice. Et j'échange avec la Chambre nationale de justice, vous avez pris la décision sage et conforme pour éviter les coups et les rabats, d'instituer et par votre de service qui ont le central par votre service et en face de moi du 2 février 2022 cette note de service porte en création, attribution et fonctionnement de la commission chargée de suivi de l'exécution des décisions de justice. Cette commission, vous l'avez instituée ici, vous l'avez composée des avocats généraux, des substituts généraux, des représentants de la Chambre nationale des dossiers de justice, des représentants du barreau, des représentants du haut commandant de la gendarmerie nationale, des représentants du directeur général de la police nationale et des parquets Vincent Sidiane. Et cette commission, nous allons présenter à la place l'activité de cette commission, parce que cette commission est là, c'est pour réduire, assurer, examiner les demandes d'exécution de décision de justice. Sont portés à vos niveaux parce que pouvoir décider les réductions. Si vous avez jugé le truc de faire la commission, c'est pour mettre la rigueur et le professionnalisme dans le cadre des conditions des décisions de justice pour éviter les dérapages. Et cette commission a reçu des demandes d'exécution. Et on s'est réunis, la première session, c'était la 700 et la deuxième session qu'on a tenue dans notre bureau. À la première session, on a examiné 30 dossiers. Sur ces 30 dossiers, 12 ont commis, on a donné des avis favorables pour l'exécution. Les autres ont, certains ont été purement rejetés, certains ont été renvoyés pour d'autres examens et vérifications. À la deuxième session, on a examiné 33 dossiers. Les 33 dossiers, 15 ont commis une suite favorable. Les 27 autres, les autres ont été soit renvoyés pour d'autres informations, d'autres ont été carrément rejetés. Ce qui fait au total aujourd'hui, nous avons 24 affaires en état d'être exécutées. Donc, c'est pour informer la presse que dans les prochains jours, les prochaines semaines, vous allez constater dans les différents quartiers les différentes exécutions, les différentes décisions. Le procureur général voulait vous rappeler, parce que la presse, vous avez participé à l'affermissement de l'état de l'eau. Vous êtes les premiers à venir bondir sans comprendre pourquoi, qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Vous allez partir dans vos différentes antennes de télévision pour informer les messieurs sont venus à 5h du matin. Le procureur général est venu. Je vous dis, nous avons signé des réquisitions. Mais ce n'est pas les réquisitions qu'on exécute, c'est les décisions rendues par les cours et tribunaux de Conakry. Donc ce n'est pas les réquisitions du procureur général qu'on est en train d'exécuter. Le procureur général a signé ses réquisitions, c'est pour prévenir le porte pour assurer l'exécution de ces décisions qui sont rendues. Certains, parce qu'on a examiné ensemble la commission, certains sont rendus plus de 20 ans, 10 ans, il ne sert à rien de rendre les décisions de justice qui ne sont pas exécutées. Donc, pour ces interprétations, nous allons vous rappeler que les prochains jours, vous allez voir les juges accompagnés de la police nationale ou de la gendarmerie nationale pour assurer l'exécution de ces décisions de justice. Il ne sert à rien de rendre les décisions de justice qui ne sont pas exécutées. Donc, je vais me limiter là. Si M. le procureur général a ajouté quelque chose, je vais
Je vous remercie. Après ça, j'aurai le temps de m'exprimer en langue sous soi et dans les langues de l'anglais pour que même je peux comprendre. C'est important après. S'il vous plaît, c'est important le deuxième point qui est inscrit à l'ordre du jour. Je voudrais, avant d'aborder de manière sommaire, puisque celui qui est chargé de toucher la question vient de vous faire le contenu de la démarche, mais je voudrais faire une mise au point. Vous savez, je commencerai d'abord par formuler des prières auprès de l'être suprême qui est Dieu, d'apaiser les cœurs des lumières. C'est une prière. Pourquoi? Vous savez, dans l'histoire récente de notre pays, sous la langue du Guinée lambda, c'est qu'à Guinée, il n'y a pas de justice. À tort ou à raison, cette responsabilité morale très longue repose sur la tête des magistrats. Mais permettez-moi de vous dire que du fait que beaucoup de personnes ne maîtrisent pas le fonctionnement de l'institution judiciaire devient aujourd'hui une cause majeure de cette épistémie sur l'action de la justice. D'où la nécessité pour chaque parquet désormais de mon ressort de ne pas garder le silence, de communiquer sur ce qui est en train d'être fait. Parce que si vous laissez le champ libre, vous ne communiquez pas, vous ne dites pas ce qui se passe, ce sont des non-professionnels qui vont se servir de la situation pour la désinformation au sein de l'opinion. C'est contre-productif de garder le silence et de ne pas informer. En réalité, qu'est-ce qui se passe autour des décisions de justice? Il faut qu'on vous le dise. Il faut qu'on vous le dise. Vous savez, quand deux personnes sont à litige, ça veut dire quelque part, elles ne sont pas d'accord sur une revendication précise de droit. La matière varie. Si nous sommes en matière civile, il peut y avoir une question de propriété. Pour le dire qu'il est propriétaire, Moussa dit qu'il est propriétaire aussi. Cette question-là, elle n'est pas gérée par les autorités administratives. Ce n'est pas monsieur le maire qui doit gérer la question de propriété. Ce n'est pas monsieur le chef de secteur qui doit gérer. Ce n'est pas monsieur le préfet qui doit gérer. Les partis qui sont admis ont des alternatives, soit de régler leurs problèmes à l'amiable, s'asseoir discuter sans faire recours à la justice, ou à défaut, s'adresser au tribunal ou à la justice de manière générale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque la démarche à l'amiable échoue, la place désormais, c'est celle réservée aux juges qui ont prêté serment d'être indépendants vis-à-vis de toute démarche, d'être indépendants vis-à-vis de toute pression, d'être indépendants vis-à-vis de tout préjugé et de se conformer, selon leur serment, à la seule loi, sous l'autorité de laquelle ils exercent leur mission. Maintenant, l'organisation judiciaire de notre pays repose sur un principe que beaucoup de nos citoyens ignorent. C'est quoi? C'est le principe de double effet de juridiction. Ça veut dire quoi? Une fois que vous introduisez votre action en justice,
pour dire que vous venez devant un juge, vous passerez d'abord par un huissier. L'huissier va faire l'assignation pour vous. L'assignation va être enregistrée pour vous. Ça va être communiqué au président du tribunal. Qui peut soit prendre le dossier pour juger ou en faire un autre juge. Ça, c'est la phase avant procès. Une fois maintenant que le président lui-même prend le dossier, ou un autre juge puisse prendre le dossier, le procès va être désormais ouvert entre les parties. À ce niveau, plusieurs situations peuvent arriver. Vous savez, en matière civile, on dit que les parties sont l'aide du procès. Nous ne sommes pas encore en matière pénale. Les parties peuvent venir devant le juge civil. Dans un premier temps, n'ayant pas eu la possibilité de se comprendre, au cours du procès, elles disent non, ce n'est pas la peine de continuer le procès. Nous sommes le juge, permettez-nous de vous retrouver, on va s'arranger et prendre une décision. Le juge ne va pas, le juge civil ne va pas dire non, vous n'en êtes pas parti. Parce que le principe de dispositif voudrait que les parties décident sont de leur juge. Maintenant, quand les parties vont se retrouver pour tomber d'accord dans le cas d'hypothèse que je viens de faire, ils vont faire un procès verbal d'accord à l'amiable. Mais cet accord à l'amiable doit être homologué par le juge. Ça veut dire quand le juge homologue l'espèce, leur procès verbal d'accord à l'amiable, ça devient force de jugement, force de loi entre eux. Il n'y a plus de problème. Mais prenons le cas où les parties n'ont pas prévu d'aller dans ce sens. Le juge va examiner le dossier. Le juge va demander aux parties, communiquez par votre pièce de propriété. Pardon, moi je suis coutumier. Voici un domaine qui appartient à mes parents depuis 20 ans. Le juge va aller encore. Puisque vous êtes donc des coutumiers, c'est à vous d'apporter la preuve que vous êtes propriétaire coutumier. À votre partie aussi d'apporter la preuve contraire dans un débat qui va être équilibré par les aspects de presse. Maintenant, à l'issue de l'instruction de ce dossier, le juge a l'obligation de dédier à gagner obligatoire. Deux personnes ne peuvent pas gagner. Il faut que le tribunal établisse un propriétaire, l'autre non propriétaire. C'est ça aussi. Mais le juge va se fonder sur quoi pour juger? Il va se fonder sur les pièces que les parties ont communiquées et les pièces qu'il a vérifiées auprès de l'habitat ou auprès de l'autre expert pour dire entre les deux personnes. Parce que n'oubliez pas, la gestion cadastrale du territoire appartient à l'habitat. Je ne comprends pas la propriété privé des individus à la propriété de l'État. Je ne rentre pas dans cet État. Je dis que la gestion cadastrale appartient à l'État. C'est pour qu'il y ait un service de cadastre. C'est clair. Donc, ce qui me dit, une fois la décision est allée en premier degré, la partie qui a permis le procès a dit, moi, je ne suis pas d'accord avec la décision. C'est normal. C'est du droit aussi. Si la partie dit qu'elle n'est pas d'accord par rapport à la décision qui a été rendue en premier degré, par respect du principe du second degré de réduction, cette partie-ci, elle est à Kanka. Elle va porter désormais son action devant la Cour d'appel de Kanka. Si la personne est dans le ressort de la Cour d'appel de Kanka, c'est-à-dire là-bas signé la voie publique, cette partie-là va porter son affaire devant la Cour d'appel de Kanka. Ça veut dire que le juge qui a rendu sa décision en premier degré est saisi. Tu ne vas pas te promener avec cette décision pour dire non, je suis propriétaire. On va aller exécuter cette décision. N'exécute pas une décision qui est frappée la main. Même si on vous a déclaré propriétaire, il faut attendre au second degré pour que le juge du second degré puisse se prononcer sur l'affaire de la décision. C'est pourquoi beaucoup se promènent à déclarer avec la décision. Vous avez dit, j'ai gagné. Le juge est corrompu, le tribunal de pays n'en s'en va pas, la justice est ceci et cela, c'est la désinformation. C'est la désinformation. Parce qu'il va jamais.
le monsieur ne va jamais vous dire que la décision qui détient est une décision de frapper la mer. Et vous n'avez aucune possibilité de vérifier si la décision est frappée la mer. Si on prend la décision, on donne aux médias. Ah non, 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 non. Si vous participez à ce débat, vous allez vous prendre la mer. Pourtant, il a gagné. Le discipliné de ces siècles-là. C'est pourquoi j'ai demandé au journaliste. Vous devrez faire des annonces. Pourquoi les journalistes spécialistes? Parce que nous ne pouvons pas tout maîtriser. Il y a des matières que nous ne pouvons pas maîtriser. Pour pouvoir vous prononcer sur ces matières, vous avez l'obligation d'aller vers le professionnel. C'est important. Mais si vous vous mettez à commenter une décision de l'issue, qui est en soi une infraction à la loi pénale, on va dire que ça commence à aider les journalistes. Parce qu'on n'a pas dit à un journaliste, vous ne pouvez pas parler d'une décision de l'issue. Mais vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas y aider hystérique sur une décision de l'issue. Quelle que soit la porte de la décision. La seule voie de recours, c'est permettre à la partie de lui d'avoir un autre juge qui a le pouvoir de réformer cette décision. Mais si c'est le journaliste, de lui dire, écoutez, j'ai regardé, ce magistrat est ceci. C'est outrage par magistrat. Et dès qu'on va commencer à poursuivre, ils sont contre la liberté d'expression. Je peux ignorer, il faut qu'on arrête un moment. Les médias doivent apaiser. Les médias doivent utiliser l'information par le respect du principe de l'obligation de neutralité et de dépendance. L'indépendance du journaliste réside où? Je ne vous apprends pas. Désolé, mais il faut quand même le dire. C'est le droit de l'indépendance des partis. Il ne faut pas que vous épousiez l'accord d'une partie. Vous m'avez dit, j'ai entendu. Laissez-moi équilibrer l'information avant de passer. Mais non, tu as raison. Ce n'est pas mon problème. Il est naturellement comment? La prochaine fois, il y aura des poursuites. Si cela doit être qualifié de sage aux sorcières au niveau des journalistes, désolé, un journaliste qui travaille honnêtement comme le sait déjà parmi beaucoup d'entre vous, qui a des amis qui sont des journalistes, qui évoluent au niveau de la presse, mais je connais aussi des journalistes qui font assez d'efforts vraiment remplir de manière non. Tout le monde doit encourager les humanistes. Parce que ça ne vient pas. Mais n'oubliez pas, avec vous aussi, la démocratie peut être en danger si l'information est mal manipulée. C'est pourquoi la loi fondant sur la liberté de la presse, on reviendra là-dessus, fixe la limite de la liberté. Donc, pour notre cas précis, vous avez remarqué que celui qui a perdu va venir devant le juge. Deuxième degré. Arrivé au niveau de la cour d'appel, qu'est-ce qui va se passer? La cour d'appel est une cour, pas un tribunal. Parce qu'il ne faut pas comprendre qu'il y a la différence entre le tribunal et la cour. Le tribunal là-bas, ce n'est qu'un seul juge qui s'est assis, qui a dit qu'elle a raison. Mais la cour, pourquoi le travail du magistrat? Il y a un président, il y a des conseils. Vous avez vu, le législateur a prévu ça. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir des erreurs judiciaires. C'est pourquoi quand les gens disent, quand ils décident d'aller à prévu l'église, ça fait rire. Il faut attendre. Il ne faut pas vous blesser. On dit toujours victoire quand ils décident d'aller à prévu l'église. Alors que le magistrat qui a la vie, mais si on prépare la mentalité des gens, la décision qu'elle a mis à premier degré, celle qui est bonne, vous priez pour la République. Il faut éviter ça. Il faut éviter. Attendez la décision de la Cour suprême pour une de ces telles. Parce qu'il est permis aussi, celui qui ne va pas être d'accord au niveau de la Cour d'appel est devant la Cour suprême. C'est ça la réalité. Maintenant, si la Cour d'appel, dans sa formation collégiale, décide de dire telle personne
dans sa formation collégiale que la règle est exécutoire. Mais à une exception. Ah. Mais lui, chez nous, il y a la règle, il y a l'exception. Si vous prenez la règle, vous commentez l'exception, va vous prouver le contraire. Celui qui a perdu le procès, par exemple, en appel, devant la cour d'appel, l'intéressé a la possibilité de saisir la Cour suprême par une requête au fait de sursis à exécution. Vous savez, la Cour suprême n'est pas un troisième degré. La Cour suprême ne juge pas entre deux personnes. Attention, la Cour suprême regarde les décisions qui sont rendues par les juges pour dire est-ce que le droit a été dit. Si oui, confirme. Est-ce que le droit n'a pas été dit? Non, je casse. C'est ça le rôle de la Cour. Parce que c'est important, il faut qu'on explique. C'est-à-dire tout le problème qu'on a amené, c'est que les gens ne savent pas. Malgré qu'on dit lui, il est censé ignorer la loi, mais beaucoup ignorent la loi. Et nous, les magistrats, on dit non, l'obligation de l'État au peuple. Ça, c'est à l'égard des magistrats du siècle. Nous, nous sommes des partis, on représente la société. On ne nous fera pas taire. Donc, ça vous dit, si cette personne reçoit sa décision, l'intéressé est mis à la Cour suprême pour dire, l'arrêt qui a été rendu par la Cour d'appel, le droit n'a pas été dit. La Cour suprême peut prendre deux décisions avant d'examiner sur le fond. Pour ne pas que l'autre exécute la décision, la Cour suprême peut prendre deux décisions. Un, la requête que vous avez adressée à la Cour suprême pour dire de ce soir à l'exécution de la décision, la Cour suprême peut prendre un arrêt sursis à exécution. Si la Cour suprême prend un arrêt de sursis à exécution, ça veut dire qu'il y a un arrêt par la Cour d'appel, on ne peut pas l'exécuter tant que la Cour suprême ne va pas traiter ce pouvoir. Parce qu'on a dit sursis à exécuter. Sursis veut dire ce soir. Celui qui va prendre maintenant le jugement de la Cour d'appel pour dire écoutez, j'ai gagné, vous avez vu, j'ai gagné, c'est moi qui suis propriétaire, alors que il n'ira jamais que le dossier est pendant devant la Cour suprême. Si vous épousez un tel dossier, ça sera la dernière chose. Ne tombez pas dessus. Maintenant, si la Cour suprême rejette la requête au point de ceci à statuer, ça veut dire que quelque part, ça lève le doute par rapport à ce que la Cour va dire sur le fond. Dans ce cas, dès que la Cour rejette, vous ne pouvez plus empêcher l'exécution de la décision. C'est des gens comme ça qui font sortir des jeunes dans le quartier. Non, 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 la Cour suprême n'a pas fini de juger, ils sont venus exécuter. On va nous passer sous notre corps aujourd'hui. Mais quelle est la loi? Soit la Cour suprême se soit l'exécution, ou rejette la demande de souci à l'exécution, dans quel cas, si nous sommes tous d'accord, que la durée désormais va reposer sur le sol. Si la loi dit qu'on doit exécuter, entre nous, si on n'exécute pas ça, est-ce qu'on est d'accord pour la justice? Mais vous ne pouvez pas aussi, c'est les jeunes qui descendent. C'est les médias qu'on appelle. Nous, on a écouté. On veut mettre le feu dans ce pays. Ils sont là. C'est parce que vous ne maîtrisez pas la matière. On ne vous en veut pas. Mais on doit vous en vouloir parce que sur le terrain professionnel, vous avez l'obligation de venir vers la source. C'est là-bas le problème. Venez vers la source. On sait que vous ne faites pas quoi de bonne foi, honnêtement. Parce que normalement, il doit y avoir des journalistes spécialistes des questions de droit. La spécialisation est importante. Parce que c'est un domaine qui est régi par les règles. Si vous ne les maîtrisez pas, vous ferez une mauvaise communication. Je vous prie de comprendre cela. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand un huissier de justice va exécuter les décisions de justice, qu'est-ce qui se passe? On prend un lieu de 60 ans. On vient le déposer dans la maison. Si c'est l'évolution qu'on a dit, on dit non, quand on va venir, dès qu'on va, les forces de l'ordre vont venir, gendarmerie, on dira par exemple, c'est pour une balance à moi.
favorise, on dira c'est ce qu'on est, c'est ceci, cela. Alors que ce n'est pas la gendarmerie qui va dans l'histoire. Ce n'est pas la police qui va dans l'histoire. Ce n'est pas le ciel qui va dans l'histoire. C'est les cours et tribunaux qui vont dans l'histoire. Mais il faut que les gens. Le gendarme ne vient pas exécuter une décision que lui-même a rendue. La loi dit, la gendarmerie et la police sont obligés de tenir même pas dans le cadre de l'exécution de la police. Parce que la décision n'est pas rendue au nom du juge, c'est au nom du peuple populaire. Vous partez en France, on dira au nom du peuple français. Vous partez au Sénégal, on dira au nom du peuple sénégalais. Mais pourquoi pas chez nous, quand toutes les voies de l'écho sont épuisées, pourquoi on refuse son exécution? C'est pourquoi on dit, pour que vous fassiez à la loi, il est désormais permis au procureur d'instance, au procureur général, de signer des réquisitions. Réquisition véritable, c'est de demander à la force publique de venir aider l'huissier dans l'exécution d'une décision qui est rendue au nom du peuple. Est-ce que certains parlent à ça? Quand les gens parlent, vous pouvez demander à la personne, la décision est exécutoire ou non, oui. On t'a donné la possibilité d'aller devant le juge, oui. Qui a perdu, oui. De partir devant la Cour suprême, oui. Quelle a été la suite? On m'a dit qu'on a dit que j'ai perdu. Pourtant, c'est de mon papa, d'accord. Il y a la différence entre la loi et la justice. La justice, elle est divine. Le droit est institutionnel. Entendre la justice de Dieu. Mais ici, pour question de paix et de paix, les juridictions disent que ce n'est pas pour vous. Si vous êtes un citoyen qui respecte votre pays, vous devrez respecter cette décision. Donc, ce sont ces travaux-là qu'on a débuté. En modalité, on avait signé des réquisitions de justice qui avaient commencé à créer des problèmes. C'est la même. Je me suis dit, attention. On ne peut pas faire la mesure de la justice sans la réclamer, sans la police, sans les huissiers de justice. Qu'est-ce qu'il faut? Même si la loi donne le pouvoir au procureur général de venir à l'exécution des choses de justice, moi j'ai pris mon pouvoir, j'ai partagé ça à tous les membres de la commission. Parce qu'une seule personne, on peut commettre des erreurs. Nous sommes des humains. On peut commettre des erreurs. Mais quand vous êtes deux, trois, quatre dans une commission, vous examinez avec les huissiers, vous examinez avec la gendarmerie, vous examinez avec la police, je crois que le risque de ne pas commettre des erreurs sera minime. Donc on a mis en place cette commission depuis mon arrivée. Et heureusement pour nous, cette commission, en regardant les dossiers, on s'est rendu compte que antérieurement, c'était les questions qui ont été signées qu'on ne devrait pas signer, c'est sans la réalité. Nous, on était obligés de les écarter du moins. Mais si on n'avait pas mis en place la commission, peut-être qu'on va aller démolir une maison, après on dit non, il y a des voies de l'écho à la Cour suprême, qu'est-ce qu'on va dire? Donc, nous, on ne peut pas se permettre. Les huissiers de justice nous ont compris. Aujourd'hui, il y a une situation, je l'ai dit, le procureur général ne peut pas signer une réquisition dans le cadre désormais de la contrainte par corps. Vous savez, il y a un problème, c'est qu'on ne connaît pas, on ne cherche pas à savoir, c'est ça le problème. Il y a le Seigneur aujourd'hui, quand il vous doit, par exemple, 200 millions, qu'est-ce qu'il faut? Terrain civil, je vous envoie un petit peu sur le terrain pénal. Il vous doit 200 millions. Vous venez devant les juges, le juge demande s'il reconnaît les faits. Il dit oui, je reconnais les faits. Il sait que ce n'est pas contesté. On le condamne. Il dit non, même malgré lui qui reconnaît les faits, il dit je n'élève encore la paix. C'est son droit. Il vient devant la cour d'appel, il dit je reconnais les faits, on le condamne. Il va à l'école à la soirée, un an, deux ans, trois ans. Il va regarder, il dit non. Si on me condamne trois ans, j'ai 300 millions avec moi. Mais je préfère rester en prison là-bas. Quand les trois ans là vont finir, personne ne peut préjuger ça. C'est-à-dire, personne ne peut préjuger deux fois pour un même fait. Vous connaissez ça.
le législateur criait pour éviter que les gens sortent en prison. Alors qu'il offre des milliards de temps, alors qu'il offre des milliards d'amendes au trésor public, après lui, c'est qu'on appelle la mesure de contrainte par corps. Ça veut dire quoi? Même si ta peine finit, mais si tu dois les amendes, ou tu dois de l'argent, le juge de l'application des peines peut prendre une décision de mesure contrainte par corps. Pour vous garder en prison, tant que vous n'avez pas payé, dans les conditions prévues par l'ordre, vous ne sortez pas. Donc ça veut dire, même si tu dis, je vais faire 3 ans, si la mesure de contrainte par corps est appliquée, peut-être quand tu vas dire désormais, voici, j'ai volé l'argent d'un mois. Donc vous comprenez par là que ce n'est pas le procureur qui doit s'occuper de la contrainte par corps, mais c'est le juge de l'application des peines. Quand vous dites, vous laissez une réquisition pour prendre quelqu'un, envoyer en prison pour contrainte par corps, non, ça va être inadmissible. Parce que ce n'est pas la réquisition qui envoie quelqu'un en prison, c'est la décision du juge de l'application des peines. Ou dans le cadre de l'écoulement des amendes, qui peut voir la logique de contrainte par corps. Par le procureur, on a vu les réquisitions qui ont été signées dans tout ça, on a tout, on a retiré. On ne peut pas priver quelqu'un de sa liberté sur la base d'une simple réquisition, c'est pas là. Par principe. Donc, ce travail a été fait. Tous les dossiers qui ont été traités de manière vraiment à ce qu'il n'y ait pas de doute, on a signé les réquisitions. Pour dire que ce dossier-là, ça, le jugement est terminé. Et à partir de la semaine prochaine, vous verrez les huissiers de justice accompagnés de la gendarmerie et de la police pour aller déguerpir, pour aller démolir selon le contenu de la justice. Que les médias ne disent pas, oui, ils ont recommencé encore. Il faut arrêter. Donc, par rapport à l'exécution des sols de justice, il fallait faire cette mise au point. Merci. Procureur général, pour ce coup, ça me rappelle une fois encore au début de cette législature, la rencontre entre presse et justice. Très important. C'était pour, si j'ai noté, pour faire une différence, parce que j'ai remarqué que parfois il faut des articles de presse, il ne faut même pas la différence entre les arrêts et les jugements. Il ne faut même pas la différence entre les réquisitions et les décisions de justice. Ce n'est pas facile et je vous remercie vraiment pour cette brillante intervention qui permettra peut-être d'échanger les contrats. Monsieur le Président, on va partir au troisième point. Le troisième point, l'examen des dossiers de trafic de drogue. Si c'est le trafic de drogue, c'est le trafic de cocaïne et les substances propres dans les ressorts de la cour d'appel. Ce sont des substances, puisqu'on trouve, c'est les produits dont la vente est prohibée, dont la vente est jugée à la réglementation. Monsieur le procureur général, je vous en prie, j'allais intervenir avec les différents partenaires des centres de travail. Je vous remercie. Merci. Peut-être que votre président va prendre la parole pour voir qu'il va dire à la part de ça. Dans ce cadre-là. S'il vous plaît. Je me rappelle très bien. C'est le lieu de le dire. Autant du ciel, c'est. Nous avons subi tous la volonté des autorités de transition de lutter contre le trafic international. Oui, on a vu ça ici. On avait considéré la Guinée comme la plaque tournante de cocaïne. Ces procédures judiciaires, nous n'avons pas besoin de les connaître.
Mais qu'est-ce qu'on peut dire? Aujourd'hui, il y a de nouvelles autorités qui assurent pour l'instant et en toute objectivité cette phase de transition. Fait, vous savez, quand vous voulez lutter contre un phénomène, il faut d'abord que celui qui lutte contre le phénomène puisse comprendre l'enjeu sur le plan international. Quand on dit qu'un État est devenu plan tournant de l'Europe, c'est que ce qui veut dire que cet État-là est là. Ça veut dire qu'aucune autorité militaire, aucune autorité de la gendarmerie de la police ne fait son travail. C'est ça la réalité. Parce que le premier devoir d'un État, c'est la préservation de quoi? C'est la préservation de la préservation de tout ce qui est dans le cadre du maintien de l'ordre sur l'ensemble du territoire, que ce soit par mer, par air et par terre. Partout où l'État est assuré. Pour votre information, nous avons des procédures dans le ressort de la Cour d'appel qui sont liées aux affaires de Boukaïa. Où aujourd'hui, le parquet ne va pas rentrer dans les détails, peut-être qu'on prend le temps d'aller beaucoup plus dans les statistiques. Mais tout récemment, vous avez appris qu'il y a plus de plaquettes de cocaïne qui avaient été saisies au niveau du port de l'homme. Après tout, c'est le lieu de saluer. Vous savez, quand moi je parle, j'ai vu deux choses dans l'histoire. Cette transition-là ne va pas. Mais tous les Guinéens se regarderont, on saura qui a menti à qui. C'est clair. L'histoire est écrite à la table. C'est le lieu de saluer, je le dis, l'engagement du gouvernement. Moi, je ne fais pas de la politique. J'ai été magistrat juif dans ce pays. J'ai combattu la violation des droits de l'homme. Au prix de ma vie. Aujourd'hui, j'ai salué le casquet. Je suis procureur. Je ne défends pas le président de la République. Mais je défendrai le peuple. Le jour où je ne serai plus procureur de terre, juge, on me verra encore dans mon manteau de juge. Mais pour l'instant, si les Guinéens ne vont pas à la Cour Séchard, en tout cas, on va les sortir. Si les Guinéens sont privés de ses droits et qu'il n'y a pas de respect dans l'ordre pénal, dans mon réseau, c'est que cette faute là, je vais te la sortir. C'est quoi? Il a eu saisi d'une quantité importante de cocaïne. Ce jour-là, pour votre information, je félicite le procureur de la République. Voilà le tribunal de première instance de Cameroun qui s'est levé. Il a passé toute la nuit au port, c'est une première. Pourquoi nous faisons tout ça? Parce que dans une histoire récente de notre pays, vous avez entendu qu'il y avait des quantités de cocaïne qui avaient été saisies et qui ont disparu. On reviendra deux mots là-dessus. Parce que je vous dis, sur cette question, nous sommes perdus. Tout ce qu'on contribue, le problème, le moyen à ça, dans les jours à venir, on répond. C'est clair. Il a passé même la nuit au port. Il n'est pas rentré chez moi. C'est ce que j'attends de tous les procureurs. Ce n'est pas le ministère public à l'état de sommeil. Où tu mets les parfums piquants, tu s'assois dans ton bureau, tu appelles les autres. C'est un ministère public de contact et d'action. C'est important. Ça nous a permis aujourd'hui d'arrêter un certain nombre de personnes qui sont liées à ce plan.
dans le respect du secret des instructions, on ne rentrera pas dans les détails parce que les instructions se sont données. Mais cependant, il faut informer l'opinion nationale et internationale que désormais, nous avons fait notre schéma de bataille, la lutte contre ces trafics-là. Et que à chaque instant, la presse sera informée. À chaque instant, vous serez informé de l'évolution du début. Ces personnes qui sont liées à ça sont aujourd'hui à la maison centrale en train d'être en train de faire le bien de l'instruction de sécurité. Certainement le jour de l'audience, puisque le secteur de l'instruction s'en est dès lors que les parties sont envoyées devant l'instruction, sous réserve de la présomption de l'instruction. Là, dans ce cas, on va quitter le caractère secret pour tomber dans le caractère de la publicité. C'est ça, parce que les audiences sont publiques. Mais ça vous dit que ces personnes qui sont impliquées dans cette affaire de cocaïne, ces personnes-là aujourd'hui sont en France. Ça, c'est une grande avance. Si avant, on fait t'arrêter, tu négocies, tu pars, on fait disparaître la quantité. Aujourd'hui, on t'arrête, la quantité est testée. Et aujourd'hui, je vous dis, la consommation aujourd'hui, l'autorité judiciaire a beaucoup plus aujourd'hui accès à ce qui se passe que l'autorité. C'est une grande avance. Il faut qu'on accepte. Ensemble, ceux qui consomment ces cocaïnes-là ne sont pas ailleurs. Ceux à qui ces cocaïnes sont destinés ne sont pas ailleurs. C'est dans nos familles. Mais vous oubliez que c'est un devoir pour un citoyen de dénoncer les peines de l'État criminelle à sa connaissance. Aider les procureurs, aider les magistrats, aider la juge d'instruction. Parce que si nous ne luttons pas contre ce fléau, ils ont des moyens. Ils ont tout. Une quantité de cocaïne, une petite pure de cocaïne, on sait de quoi ailleurs. Si vous vous dites, vous allez lutter contre ces gens-là, c'est votre vie qui est déjà. Si c'est par nous, ce salut de sauver ce peuple-là, moi j'ai dit à vous, on a prêté seulement. C'est pour aider la vie. Nous prenons beaucoup de risques. C'est pour que les Guinéens puissent tomber. Mais si vous ne nous aidez pas, finalement, comme les soucis me disent, vous cherchez des guides, celui qui est devant vous a son pied dessus. Comment vous allez voir dénoncer? Les procureurs sont à dénoncer. Nous vous garantissons, le secret sous votre identité. Vous pouvez le faire par l'anonymat. N'ayez pas peur. Donc, par rapport à ça, une fois de plus, sous cette question, les procureurs peut-être auront quelques mots à dire, mais c'est pour vous dire tout notre engagement à lutter contre cette question. La Guinée aujourd'hui est nationaliste. C'est une première qu'on dise, il y a 5 000 de cocaïne, il n'y a pas d'exécution, il n'y a pas d'exécution. C'est une première. Nous savons dans l'état ce qui se passait. Oui, on envoie ces troupes de Paris. La question, qui détenait au moment des faits? Tout va être discuté très vite. Au cours du premier dossier, 177 plaquettes de cocaïne avaient été saisies. Aujourd'hui, ce dossier-là est encore pendant devant le tribunal de Bissy. Parce que pour votre information, cette procédure-là a fait l'objet d'appel. Mais devant la chambre d'appel, la chambre de contrôle d'instruction, on a demandé à ce qu'il y ait la reprise de l'information. Peut-être le procureur aura 2 mots à dire là-dessus. C'est pour vous dire combien de fois ce qui a été mal fait, il faut
zéro. Qui a pris la cocaïne? Qui avait servi la cocaïne? C'était dans la main de qui? On a transporté la cocaïne pour l'envoyer où? Qui était là cette cocaïne? Si la justice ne se passe, c'est qu'on aura trahi. C'est pourquoi les jours à venir, quand on va encore interpeller les gens, on va dire ça aux sorcières. Si le sorcier est un impôt, je vais qu'on va être chargé. Ouais. Ah oui. Le coup il va cesser. Ça, il ne va pour nous, il n'est pas un sorcier. Moi j'assume. On a mal interprété ce que j'ai dit, on dit bien incendier la police. Dans aucun pays, l'application de la loi n'a incendié un pays. C'est quand vous laissez non-application qui a incendié un pays. Maintenant, si vous appliquez la loi, on va aller en incendie. Je répète encore, ça va être. Parce que le Guinée aime trop enlever les choses. Le Guinée, ce n'est pas ce qu'on est en France. Il ne va pas jeter ça là. On lui dit à l'aéroport, on va le tuer, il enlève la ceinture. Il enlève à l'aéroport, roi Chidego. Il vient à l'aéroport pour la crise de Sierra. On lui enlève la ceinture. Non, mon père ne me touche pas. Qu'on veut faire de la Guinée-Bissau. On respecte d'ailleurs ici, on passe à vous. Donc, c'est pour vous dire aussi, ces questions de l'impôt et autres, nous sommes résolument engagés. Si les procureurs ont quelque chose à dire là-dessus, vous avez la parole avant qu'on ne continue sur d'autres éléments qui sont complexes.